Et voilà, c'est prêt. Donc voilà, moi je vais aller manger. J'espère que vous allez profiter du code promo, les filles. Je sais que vous adorez ce tagine. Et celles qui ne l'ont pas, bah, ça va vous donner l'occasion de le tester. Vraiment, il est incroyable pour faire votre cuisine. Il cuit trop bien les aliments. Vous avez vu, hein, j'ai fait à manger en moins de 10 minutes. Je vais aller manger. Je vais vous laisser pendant quelques minutes. Et peut-être je vais faire un live ce soir, je suis pas sûre encore. Je sais pas si je fais un live ou je me repose. Mais en tout cas, la lumière, ça m'a fait du bien. Là, ça m'a fait du bien. J'aime trop. Voilà. Celle que je vois. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai mis une petite combinaison bleue. C'est parti, let's go. Bon, depuis que je suis arrivée, je fais que des journées Bourbier. Donc là, je vais faire un petit tour au mall détente. Et je pense qu'après, je reprendrai les Bourbiers un peu plus tard. Et tout à l'heure, je crois que je vais aller à la salle de sport. J'ai pris mes. J'ai vu le. Hi. Et donc, B2. Non, GG. Non, yes, G. Thanks. Donc voilà, aujourd'hui, assez journée chill, on va kiffer. J'ai un mascara à aller acheter. Quoi d'autre? J'ai aussi un parfum en plus, parce qu'il y en a un que j'en ai plus et que j'aime trop. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que tout est dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà. Aujourd'hui, je me suis bien reposée. Sorry. Donc voilà, il fait beau, il fait chaud, on est beau, tout est beau. C'est toujours dans la démesure. Vous vous rappelez de ça? Ah, c'est la nouvelle collection. Incroyable. Bon, ça y est, j'ai acheté quelques petits trucs à Zara. Je crois que j'ai racheté mon mascara Fenty. Et là, je vais voir ce que je vais faire. Mais je pense direction la maison. Je vais faire ma petite séance de sport tranquillou. Et puis, c'est spécial. Mes cheveux ont poussé. J'aime pas la forme qu'ils ont là. En plus, mon coiffeur, je crois qu'il va se barrer de sa coiffure où je me coiffe. Parce que je voulais faire une couleur aujourd'hui, je voulais changer. Mais du coup, il m'a dit peut-être qu'il travaille plus, donc il me tient au courant. C'est trop le démon. Je vous jure, j'ai trop le démon. Et donc voilà quoi. Bon, je fais quelques essayages. Donc là, c'est un haut moumoui. J'aime bien, il est très sobre. Mais je sais pas. Il est bien, mais en même temps, je suis mitigée. Vous dites quoi? Mon restaurant préféré. Madame. Oui. C'est ma passion. Il est trop mignon. Ils sont trop choux. Bon, voilà. On est un peu. Au Japon, j'aime trop. Il y a du soleil plein, on profite un maximum. Je sais qu'il fait très froid en France. Voilà, je vous envoie toute ma force. Je pouvais plus supporter le froid de France. J'aime trop les jus d'orange. Quand je mange, je bois beaucoup, moi, énormément. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je pense que c'est ça aussi qui me cale énormément. Là, de toute façon, j'ai pris mes cachets de Joya. C'est pour ça que j'ai la pêche. Et au niveau de la faim, bah ça va, il est quand même 16h. J'ai pas eu faim toute la journée. C'est mon seul repas de la journée. Comment vous dire que je vais le kiffer de ouf. Quoi d'autre? J'ai fait quelques petits achats, je vais vous montrer après. J'ai fait quelques petits achats, c'est chez Zara. Faut savoir que pour les gens qui sont sur Dubaï, il y a grave les soldes chez le Zara. Après, je vais pas vous mentir, moi, le côté solde, ça me dérange parce que je trouve que les magasins sont trop mal foutus et sont trop mal rangés en fait. J'ai l'impression qu'on ne respecte plus le vêtement juste parce qu'il est un peu moins cher. Et je comprends pas pourquoi, parce que toute l'année, tous les rayons sont bien mis et tout. Et là, je trouve qu'ils ne respectent plus le vêtement dès qu'ils mettent soldé en fait. Je sais pas, c'est comme de l'argent, c'est pas des chiffons. Je comprends pas ce concept de ne pas ranger les trucs. Voilà quoi. C'est un peu le taureau. Donc, dites-moi, vous racontez quoi de beau? Envoyer quelques sujets, on va discuter, je suis posée, on déjeune ensemble.
puis voilà, je pense que peut-être je vais lancer un live là sur mon compte Rebeu, donc le deuxième compte TikTok, celui où je parle en arabe et en anglais. Et bon appétit, bien sûr. Non, je vais jamais arrêter. J'ai fait ce que j'ai vu. Tout le monde, je me suis un peu posée à la maison tranquillement. Je me suis posée, ça m'a reposée. J'ai fait une bonne douche, je me suis démaquillée. Là, je vais vite fait en petite mission. Bon les amis, comme je vous ai dit, de la grosse voiture à la citadine, c'est l'adresse que vous devez rajouter. Si au cas où vous passez en vacances sur Dubaï, vous avez envie de vous faire un kiff avec un petit Lambo, ou vous êtes en mode familial avec une petite A1, ou même dans la simplicité, vraiment ils sont opérationnels, ils vous êtes livrés très très vite. Franchement, en plus de ça, les prix sont abordables. Il y a tous les modèles de voitures que vous pouvez chercher, vous leur demandez, ils sont vraiment accessibles. Vous rajoutez le Snapchat, ils vous répondent directement, livrés très très vite, je répète. Et surtout sur Dubaï, gardez bien ce Snap, parce que au niveau de la disponibilité des véhicules quand on est en haute saison, il n'y a pas tout le monde qui a beaucoup de véhicules, et eux vraiment ils ont beaucoup de choses à vous proposer. Donc ceux qui cherchent des locations sur Dubaï, je vous le mets en bas, c'est le frérot, et depuis la nuit des temps, depuis que je suis installée à Dubaï, je passe par lui, et franchement au top. Et surtout ils sont carrés, faites attention, des fois les locations sur Dubaï, les gens ne sont pas forcément droits, eux ils sont carrés de chez carrés.